Parce que mon frère commence à faire le bilan. Même si tu restes en France, qu'est-ce que tu as en France? Tu n'as ni maison en France. Tu as quelle économie? Tu sais combien coûte l'université ici pour les enfants? Et tu as des enfants. Ça veut dire que ni au Congo, ni ici, tu es perdant. Si en France, tu n'as pas acheté une maison, c'est aussi la faute du président Denis Sassou Nguesso. C'est aussi la faute de nos autorités. Si en France, si tu passes ton temps à aller dans, je sais pas, dans les terrains, à aller acheter de la bière pour tes potes. Si en France, si tu passes ton temps à aller chez Jean-Marc Wessel, je sais pas, Burberry. C'est aussi la faute de nos autorités. Non, c'est tout simplement, tu as un problème. Parce que mais comme tu n'arrives pas à voir la lumière de ton existence, tu cherches des boucs émissaires. Si tu étais au Congo, tu allais dire Ngwankaji Gundokele, c'est mon oncle qui est en train de me maudire. Mais ici, tu n'as ni de Ngwankaji, ni des oncles ici. Ici, tu n'as ni Denis Sassou Nguesso, ici, tu n'as ni le gouvernement congolais. Mais pourquoi tu n'arrives pas à parvenir? Pourquoi tu n'arrives pas à créer quelque chose? Fais ce bilan-là.